Très aimable. Ça fait du bien de voir un jeune homme comme ça, qui devient entrepreneur et chef chez... Moi, ça m'épate. Une clientèle épatée, voilà ce qui ressort globalement des trois premiers mois de Lucas Dumont à la tête du Louis Delhaize de Bouzeval. À 20 ans, le jeune homme en est déjà le gérant et ça a plutôt l'air de bien se passer pour lui. J'ai directement compris que l'école, c'était pas fait pour moi, donc j'ai été à l'essentiel et avoir mon diplôme de gestion. Donc j'ai été en comptabilité à l'IPS à Wavre et donc j'ai terminé mes études là en le 30 juin pour reprendre le 1er juillet le magasin. Bah, le début, c'était compliqué parce que je passe de bosser en cours une trentaine d'heures semaine et là, je passe plus de 70 heures semaine, donc ça a été un grand changement. Mais je passe d'un endroit que je n'appréciais pas spécialement à un endroit que j'adore, le monde du travail, où je vois pas du tout la journée passer et voilà. Fort d'une expérience étudiant en commerce durant plusieurs années et soutenu par des parents eux-mêmes commerçants, Lucas fait donc ses premiers pas dans un magasin de proximité qui accueille tout de même 300 clients par jour. Il fallait donc assurer. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Ah oui, je pensais que vous étiez étudiant, mais non. » Et il y a quelques clients qui ont dit « Oh, moi, je trouve ça génial de reprendre ça à 20 ans. » Il y a eu deux avis. Il y en a qui trouvaient que j'étais trop jeune et il y en a qui ont dit « T'as totalement raison de te lancer le plus vite possible. » Une bonne partie des clients étaient contents des changements que j'ai apportés au magasin. Et puis le personnel en place pouvait aussi se poser des questions. Heureusement, ce changement de patron n'a pas impacté leur travail. Il aura tout de même fallu un petit peu de temps afin de s'adapter à une clientèle très locale. Oui, en fait, c'est un petit peu comme une famille, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde plaisante. Il y a une accroche qui est vraiment super sympa. Donc, c'est un petit magasin de quartier qui est vraiment très, très chouette. Bah, ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui est très dynamique, très ouvert. Et je pense qu'il a une très, très bonne accroche avec les clients, avec le personnel. Donc, tout se passe super bien. Et comment ça va se passer dans le futur? Bah, je vois pas pourquoi il y aurait de problème, parce qu'on va continuer comme ça, tant que les clients sont contents. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, ce jeune homme est une belle source de motivation. Comme quoi... Tout est possible.